Et salut tout le monde et bienvenue sur M Gaming. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de South Park Stick of Two. Le mec il sait plus à quoi il joue. Bref, bon, allez, hop, on est reparti. Alors je vois qu'il y a les deux méros qui sont là, mais ce sont deux motos. Viens là. Viens là. Viens là, viens là. Donc je vais vous saigner direct les gars, hein, parce que je pense que bah, vous le valez bien. Oh là là, ça vous fait trop mal à chaque fois que je le dis, mais c'est vrai que ça pique. Non, je veux pas faire ça. Je vais vous péter direct les gars. Voilà ça. Wait, whose turn is it? Feel my righteous fury. Voilà. Ah merde, putain, à chaque fois je me fais avoir, je me dis toujours. Ah lui carrément. Je me dis toujours que ça va toucher les deux, mais pas du tout en fait. Oh là là, comment ça t'a fait mal, des gars écœurement en plus mon gars. Boum, voilà. Ouais, une bonne chose de faite. Le message de Tekken. Bah c'est toujours le même, hein, parce que les sauvegardes reviennent un petit peu en arrière. Mais bon, y a rien de bien méchant. Ok, bon, alors. Les quêtes. Retournez à Cartman. J'ai pas envie d'aller voir Cartman tout de suite, moi. J'ai envie de faire le Morsport un petit peu. Puis le fait le détecteur, un transmetteur électrique. Alors, où c'est que c'est? C'est chez Kenny. Donc, chez Kenny, on peut y aller assez rapidos. On va laisser un petit peu de quête secondaire, ok? Parce que sinon, bah, si je fais les quêtes principales directes, ça va aller très très vite, donc c'est pas intéressant. Donc, un poteau électrique, ça va être le poteau qui est là-haut. Ouais, ça va être ça. Ça doit être ça, mais comment je fais? Comment je fais? Ah, puis faut qu'on repasse aussi, j'ai cru comprendre, alors ça, j'ai vu ça. Yeah! Ok, la première est posée. Faut qu'on retourne chez Monsieur Sclave rechercher le pouvoir en fait, j'ai cru comprendre ça. Ça se remet pas automatiquement, donc, enfin, je suis pas sûr. J'ai pas fait trop attention. Donc, on va certainement aller le revoir. Alors, ensuite. L'Homme Sport, fixer un détecteur. À une girouette. Ah, c'est tout là-bas. Ah bah, si je peux prendre le Timmy Express. Alors hop, on va aller se faire ça rapidos. Timmy. Ah, Timmy. Alors, c'est... Mon message au Tekken. Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, bah oui, mais bon. C'est exactement le même message. Je suis Garissa, tu peux pas venir avec Forgeron Cartman. Avant toi, évidence, Daken, tu es forgeron, mais tu sais quoi, plus on regarde, plus on me fait penser à un forgeron, je sais pas. Enfin, Cartman, c'est vrai, petite salope. Non, je pourrais continuer tout droit, je peux pas? Ah, si. Je peux pas passer? Ah, bah si. Ouais, je pourrais monter, mais non, on a dit qu'on faisait un petit peu de quête secondaire. Je peux monter là-dedans? Ouais, yeah. Waouh! Mouton, je vais te péter. Je vais te péter en deux. Ah, le clochard. Oh, avec les petites souris. Allez, viens là, toi. 102. Oh, tu as pleuré. Oh là là, il avait 23 de bouclier, l'enfoiré. Putain, enculé. Oh, c'est bon, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher. Ah non, il va se soigner, bah ouais, évidemment. Évidemment. Ah, la souris. Le petite souris de salope. Qu'est-ce que je vais te mettre? Je vais mettre un coup de bâton de l'espace comme ça, moi. Boum. Ah, 7 HP. Ouais, tu vas mourir. Il va mourir par... l'écœurement et le feu. Ah, la souris, mais elle est seule. Elle est costaud, la souris. Ah, il est mort. C'est bon, il est mort. Toi, la petite souris. Boum! Voilà, avec les clous bien dans ta musette. C'est bien, de toute façon faut que je combatte, hein, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de level. Comment ça va prier? J'ai pas compris. Ah, je suis full. Je suis full. C'est toujours pareil, ok. Non mais, ça m'a passé! Là y'a un coffre. Ouais, oh, je prends tout le bazar, hein, de toute façon. Ah non. Hop là. Non, 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 s'il te plaît, fais pas ton boulet. Bah,
Descends. Voilà. S'il te plaît. Hop, c'est par là. On n'y a pas encore été par là-bas. Ah, si, je peux interagir. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Cloche de la vache. Ah, d'accord, c'est d'accord, la cloche, elle est là. Ah, pop vache. Retournez voir Jimbo. Ah, d'accord, j'ai fait une semi-quête. Ah, il y a un petit enfant. Oh, petit mignon, il est trop mimi. Alors, la girouette, donc la girouette elle est là-haut, donc je pense qu'il va falloir que bon. Ah, je peux pas monter, ça. Laisse-moi rentrer. T'es sérieux, je suis baisé, quoi. Bah merde, alors, comment je fais? Non, je vais pas pouvoir aller la mettre, sérieux? Bah. J'ai pas la clé. Et là, je peux absolument pas monter. Bon, bah, c'est la loose. Pourquoi je peux pas monter? Pourquoi caisse? Ouais, il manque une clé, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Obtenir objet requis, clé de la grange. Ah ouais, mais elle est où la clé de la grange? Ah, peut-être sur la vache? J'ai pas loot? Y'a un truc à loot? Non. Oh, c'est la loose! C'est la loose, les gars, c'est la loose! Bon, tant pis. Alors, l'autre quête, j'avais dit, un sport, c'est que ça détecte un incendie. Alors, où c'est? Ouah, c'est tout là-bas, mais c'est à chaque fois, les gars, vous faites chier. Vous êtes pas drôle! Alors, je pourrais monter là-haut, mais j'en ai pas envie tout de suite. Alors, on a dit, c'était tout là-bas. Bon, on va aller à l'église. Ah, Timmy! Alors. On est parti. Oh, c'est chaud que j'ai pas la clé de la grange. Comment ça c'est? Quand je vais l'avoir cette clé? Attends. Comment je vais l'avoir? Les salut péri que négligé, ouais. C'est là-dessus? Yeah! Bon, une deuxième défaite, hein. Mais j'ai pas la clé de la grange. Comment ça fait-il? Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Ah, un petit enfant! C'est avec une collée, c'est quoi ça? Inventaire. Montre-moi ton look! Ah, oh, allez, c'est ça! Il y a un petit enfant là, je peux voir. Et si tu m'avais jamais trouvé? Oh. T'inquiète, Bellette. Bon, j'ai pas la clé de la grange. Ça commence un petit peu à m'inquiéter. Comment je vais faire ça? Alors, bon, c'est pas un souci. On va bien finir par tomber dessus, un de ces quatre. Chasse au gibier. Bon, on va faire salut au drapeau, écoutez. Allez chez Grey. Ok, retournez au. Ouais. Et le cache-cache, il y en a. Ah si, ça me dit où ils sont cachés. Ah ouais, ça me dit où ils sont cachés, les derniers. Non, on va pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Inventaire déjà, je voulais voir un truc aussi. Non, ça c'était négatif, ouais. Ah là là, c'est chiant. Mais où je peux avoir? Fixer le détecteur. Je sais pas comment avoir la clé de la grange. La chasse avec Jimbo. Bon, bah, on va aller faire le drapeau. Le salut au drapeau. Hein, écoutez, on va aller se faire ça. Donc, c'est la maison verte là-bas. Ah, Timmy! Bon, on va aller faire ça. Je suis un peu perplexe là, sur le coup de la girouette.
Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Hey, yeah. Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again! Oh my god. Oh my god. They've locked away our thief in detention. We have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah! No way, man! Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. Ah d'accord, c'est moi qui ai mis une colle quoi. Ah la gueule que j'ai. J'aurais une tête de gland. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Ah il vient d'apprendre une nouvelle attaque, ça c'est cool. Le cri du dragon. You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your farts. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? C'est déjà cool, quelqu'un fait pas cool. Let's begin your training. Commençons l'entraînement. Alors. You must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Then, let it rumble inside you and drag it out. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Drag it out. Oh là, ça va être compliqué ça. Ready? Dragon shout! Find the frequency! Hold! Hold! No, that's like a dragon peep. You gotta let it all out. It's a mighty roar! I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Ouais, ah, ouais, ouais, ok. Dragon shout! Je suis pas très doué là sur ce coup là. Find the frequency! Hold! Hold! Oh, mais je vais pas y arriver! You don't need to hold it in, dude. You're not some chick at a party. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon jump! Ah, faut, d'accord, faut que je fasse en haut. Ok, je viens de capter un truc, je crois. Hold. Hold. No, no, that was like a dragon peep. You gotta let it all out. It's a mighty roar. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. C'est la loose, les gars, je n'y arrive pas. Dragon shout. Find the frequency. Hold. Hold. Mais non! Le truc vers le... Ah, j'ai pas vu. Vers la cible, non, c'est ça? Donc vers le haut? J'ai pas le temps de lire. Suck it in. Let it ramble. Dragon shout. Now you. Ready? Dragon shout. Find the frequency. Hold. Hold. Ah, le droit vers le bas. Putain, c'est n'importe quoi. Oui, oui, c'est bon, j'ai commencé. Let it rumble. Dragon jump. Now you. Ready? Ah non, je... le boulet de l'espace. Hold. Hold. Yeah. My God, ok, j'ai capté. Incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Ça aussi houleux. Could it be that the Dragonborn has come at last, in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, hey, Princess Kenny! Oh. Did you come here a sec? What, pas ça, sur Kenny? Just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two. Spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you. Ah, pauvre. D'accord, j'ai capté. Oh, ok, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but, dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shouts. From now on, it will be easier for you. C'est le cri du dragon, ouais! Motherfucker! Je sais pas depuis combien de temps je filme. C'est devenu une maladie. Ça. Ah, nouvelle quête. Ah, pote déverrouillé, génial. J'ai Kenny. J'ai Kenny. Récupérer Craig. I've had my problems raising Eric, but somehow he always forgives me. J'ai fini toujours par me pardonner. Pauvre mère soumise. Soumise et cochonne. Hein, autant le dire. Ah, je peux changer d'allié, on va changer d'allié. Yeah.
Yeah, Princess Kenny. Yeah. Génial. Génial. Alors, mais par contre, ce qui me saoule, c'est que j'ai toujours pas la clé du machin, quoi. Ça c'est vraiment nul. Nul, nul, nul. Vous savez quoi, on va refaire une petite tentative, et puis on va se casser. Est-ce que j'ai un téléporteur d'extrême, là, quelque part? Non. Y'en a pas loin? Carte Intimi Express. Ah si, j'en avais un juste là. Ah oui, il est dedans, je suis bête. Il est dedans. Y'a quoi dedans? Je sais pas déverrouiller ça. Wow. J'ai ouvert une maison. Je sais même pas c'est laquelle. Bon, on va aller voir. On va aller voir. Ah bah c'est chez Butters. C'est chez notre pote Butters. Le Canada. Alors. Bon allez, voilà, chambre à Butters, les gars. On va tout piller déjà chez eux. Montage de détective, ok. Va là-bas, voilà. Petit peu de mal à diriger encore, hein, petit gars. Yeah. Alors qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a de caché? Ah, allez. Étoile, ouais bon. Un peu vilain quand même. Clé du repère du chaos. Couillou Montagny. Ah, je regarde ça. Faut que je regarde ça, c'est où? Merde, ah, j'ai vraiment du mal avec ce putain de... Couillou Montagny, allez hop, c'est parti. J'achète. Ah, tu peux command, génial. Comme ça, on pique bien la chambre à Butters. Ah, le casque du Captain K.O. Génial. Après, bon, il y a toutes les références, je ne connais pas toutes, hein, c'est évident. Génial. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on se fait du coup? Ah, il y a un truc à piquer là. Ah, attends, bah, j'ai même pas tout fouillé encore. Hop. Hop. Quel garage de Scott. Ok. Ok. Bon, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est toujours ça de prix. Ah, c'est la clé de la grange, moi, qui me... Je sais pas où j'ai pu la mettre. J'allais dire, je sais pas où j'ai pu la mettre. Quand ça venait. Ok. Ok, ok, bon, on progresse. À chaque fois, je veux partir par la droite, hein. Je me fais à chaque fois voir. Oh, avec ma couillonite... ma couillou-montonite. N'importe quoi. Bon, je leur parle pas aux parents, on s'en fout. Je peux pas y aller? Yeah! Franche, potion de vitesse. Camp de druide. Ah, je peux toujours pas les prendre, mais j'ai vraiment pas assez de level, quoi. C'est ça qui est un peu minable dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on va se faire? Bah, je pense qu'on va s'abandonner là, hein. Je sais pas depuis combien de temps. Ah non, vous savez quoi? On va aller vite fait chez Monsieur Sclave. Merde, par contre, où c'est que ça va être, Monsieur Sclave? Ah, ils vont me le dire. Tu vas me le dire où c'est Monsieur Sclave? Non? Merde. Ah, j'avais ce menu, j'ai vraiment du mal. Ah, je peux pas voir où c'est. C'était où chez Monsieur Sclave déjà? Je n'en sais plus rien du tout. C'était pas une des maisons par là-haut? Allez, on va vite fait chercher Monsieur Sclave. Ah, attends, il y a qui? Comment je fais pour venir te chercher, toi? Oh, c'est un petit elfe, on va le laisser. Là, c'est chez qui, ça? Oh! Hey, guys, grab a beer and join me for Sports Center. Prenez le bien, rejoignez-moi. Ah, c'est la maison de Stan, je crois. Ah, je confonds toujours Stein et Kyle. Je crois que c'est bien Stan. Ah, je suis... Attends. Je vais débloquer un truc de l'espace, là. Bon, alors, c'est moche. C'est moche. Par contre, la couillonite aiguë, là, me plaît bien. La couillonite, ça, j'en raffole. Avec une petite poche, ça fait mieux. Allez, c'est parti. On prend ça. On va aller voir là-haut.
prendre. Oh, je puis tout. Ah, c'est Stan, ouais, c'est bien Stan. Qu'est-ce que t'as? Barbe de Bouddha Stan. Photo de Wendy. C'est sa petite copine. Ok. Ah, la référence à Mad Max. Ah, le slip! Génial! I'm never coming out. Ah putain, attends, c'est dans quel épisode où il y a une star qui se cache dans l'armoire? Ah, je sais plus c'est qui. Voilà. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd. Voilà. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, turd. Bon, je peux y aller. Oui, t'es de se faire casser la gueule, hein, écoutez. Tampon en cheveux de Cherokee. C'est n'importe quoi, c'est grave leur truc. C'est même grave, franchement. Ah, chaque fois, je me fais avoir. Bon, bah, on aura tout pillé déjà. Voilà. On saura pas qui est caché dans la cuisine, j'y suis déjà allé. Ouais, bah, j'aime bien faire deux fois les mêmes choses. Oh, Stan's out playing that game too. I wanted to come, but he wouldn't let me, so I'm drinking beer instead. Je bois une bière à la place. Il est mignon, hein, avec son slibard et ses poils partout. Hop, on va aller faire vite fait ici. C'est un petit peu, voilà, l'épisode du troll, hein. Voilà, je sais pas trop où aller. Je suis un peu perturbé par la girouette, là. Je comprends pas pourquoi on l'a pas trouvé. Comment y aller? Robe de druide. Ok, je prends. Je prends tout. J'aurais bien voulu trouver chez Monsieur Esclave, par contre, ça, j'avoue. Ah, la maison de Kyle! Je peux y aller? Ah, c'est fermé. C'est fermé aussi. Monsieur Esclave. Ah, je peux aller? Ah, il y a un truc en bois, mais je peux pas y aller. Bon. Ah, j'aurais bien voulu retrouver la maison de Monsieur Esclave. Ça m'aurait bien aidé. On va aller jeter un œil par là-haut. Rapidos, hein, rapidos. Je vais vous épargner tout ça, vous en faites pas. Mais je crois que c'était par là-bas. De mémoire. Ah bah voilà, impeccable, c'est juste derrière j'en ai un enfant, maintenant on le saura. Normalement je crois que ça va me renouveler mon attaque. Je sais pas comment l'appeler. L'attaque du fouet. Come back tomorrow, sweetie. I'm all booked up today. Come back tomorrow, sweetie. C'est une par jour. Ah bah je suis de la baise. C'est qu'à le dire. Bon bah c'est pas grave. Moi j'aurais fait ça pour rien, l'épisode du trollolol. Hop, on va sortir et on va se quitter là. Bon bah voilà, donc c'était l'épisode 5 si je me trompe pas. Donc j'espère que ça vous aura plu, moi et ma couillonnite aiguë. Donc on se retrouve très très vite pour la suite. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai pas réussi la girouette de l'espace. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très très vite pour la suite. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut tout le monde.